Salut à tous et à toutes, c'est Zombie qui est aujourd'hui, je vous mets en retour pour la qualification du Grand Prix de Saint-Marin. Alors mes amis, ce Grand Prix de Saint-Marin, ça a été le Grand Prix le plus dur, le plus éprouvant et où j'ai fait le plus d'accidents possibles et inimaginables sur la course, la qualif, les essais libres. Je crois que mes mécanos à la fin, ils se sont dit, putain, je crois qu'on va prendre des 20 pneus avec nous parce que tous les pneus que j'ai cassés sur cette course et sur cette qualif, c'était tout simplement incroyable. Donc là, je vous fais un petit tour d'horizon de ce circuit. Alors, il faut savoir que le Grand Prix de Saint-Marin n'existe plus actuellement. Ce Grand Prix existait encore en 2006, en 2005. Il a été retiré... en 2007, pardon, pour cause parce qu'il était vraiment trop dangereux pour les pilotes, c'était vraiment pas adapté pour les Formule 1. Tout simplement, les virages étaient un petit peu trop, disons, trop raides et ça montait et ça descendait trop. Comme là, vous voyez, il y a une grande pente qui monte, et avant, il y avait une grande pente qui descendait, c'était pas très à l'aise pour les F1 de 2006. Et donc, justement, c'est la dernière année où la F1 se retrouvera sur ce circuit de Saint-Marin qui est très beau, un très beau circuit de Saint-Marin. J'aime beaucoup personnellement, pour Saint-Marin, il ressemble un peu au circuit de Monza puisque Saint-Marin est. Et Italie, c'est vraiment la porte à côté, comme on peut dire. Et donc, c'est un petit circuit qui me fait penser à Monza, malgré que la caractéristique d'un circuit de Monza et d'un circuit de Saint-Marin, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est joli. Mais en tout cas, ce circuit, même s'il a l'air super joli, c'est un des circuits les plus techniques de la saison. Il faut aussi faire ça, regardez. Alors, on va commencer directement par ce tour d'horizon de ce circuit. La premier tour lancé, regardez. Vous voyez, j'ai fait une 23-149. Et il faut juste dire que ça, c'est un temps nul. Regardez, là, dans le même tour, je donne tout pour essayer de le faire. Et regardez, là, bim. Dans le gravier, je ne peux absolument rien faire. Donc là, regardez, il me reste plus que 1 minute 50 pour lancer mon tour, mon dernier tour lancé. Seulement. Et là, vous voyez que j'essaie de tout donner. Et que malheureusement, j'ai failli me prendre mon. Vous voyez, casser mon aileron arrière. Et donc, c'est pas terrible tout ça. Donc, je décide de repartir en arrière pour avoir plus de vitesse et donc plus de chance de faire un super tour et de tout tenter pour DLG. Parce que là, vous voyez que je suis à la 20e place et qu'il me faut être dans les 16 premiers pour passer la Q1. Bon, regardez, donc là, on va se concentrer. Donc là, il reste 1 minute 23 environ pour finir cette qualif. Et là, pour passer le temps, il faudra 1 minute 21. Donc, j'aurai largement le temps de. Enfin, largement, j'aurai 3 secondes quoi pour. Finir mon tour, donc j'aurai largement le temps de faire le tour. Et donc là, regardez, le plus dur en ce secteur, c'est ce virage là. Regardez, vous devez prendre à fond, freiner un petit peu et le prendre encore à fond ici. Et donc, si vous touchez ne serait-ce qu'un demi centimètre de bordure, votre voiture part en cacahuète et vous ne pouvez rien faire. Et vous avez plus qu'à prier pour que votre voiture n'atterrisse pas contre un mur et que votre aileron arrière ou vos pneus ne soient pas cassés. Un virage difficile ici parce que, comme je l'ai dit, si vous allez trop à droite sur cette bordure verte, vous pouvez simplement exploser et simplement faire un putain de tête à queue. Et là, ici, exactement la même chose, il ne faut pas aller vite parce que si tu vas trop vite, tu vas avoir beaucoup de mal à remonter la pente et il faut utiliser en fait l'énergie que tu déploies pour aller dans la pente pour après l'utiliser pour la remonter. Ce virage là que vous venez de voir, c'est le virage où je gagne alors le plus de temps par rapport aux autres parce que les autres ils prennent beaucoup de temps en ralentissant. Moi souvent je prends je ralentis juste un petit peu mais après je le prends direct à fond donc j'ai beaucoup de temps. Le troisième secteur, c'est un troisième secteur très compliqué, très technique où genre il y a aussi beaucoup de sable aux alentours des virages. Donc si tu touches un petit peu le sable, ben ta voiture part en cacahuète. Et ce virage, mes amis, c'est là où je perds beaucoup de temps, vous voyez, je suis super lent, là j'accélère, est-ce que je vais réussir à passer? Je fais une 21-555, je suis à 16ème place, je suis à peine 2 petits dixièmes devant mes tantôt le Luzi. Et donc je passe magistralement en Q2, vous voyez, une 21-555 et une 21-756, Paul Luzi, c'était chaud. Donc là, comme je l'ai dit avec les bordures, j'ai pris la bordure un petit peu trop à gauche et puis ça a complètement déséquilibré ma voiture et... Bon ben, plus de pneus arrière gauche pour commencer cette Q2, c'est pas terrible. Bon, il faut vraiment que je prenne beaucoup de risques puisque j'étais 16ème à la Q1 simplement. Donc je me dis, si je veux par miracle passer à la Q3, il va falloir que je freine. Regardez, encore cette même bordure et là, boum! Et là, mon pneu il s'est pas cassé, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, regardez en bas à gauche, vous voyez l'état de ma voiture et vous voyez que mon pneu arrière droit est très rouge. Ça veut dire que c'est inconduisible. Quand vous avez, je pense pour tous les connaisseurs de F1 2006, quand vous avez un pneu arrière droit qui est marqué rouge, autant abandonner quoi. Parce que c'est quasiment impossible de ramener la voiture au stand. Donc là, mon objectif c'était de ramener la voiture au stand et espérer qu'il le répare vite et que je continue. Je pouvais faire arrêt au stand. Enfin.
Dans les options, elle allait revenir au garage, mais j'avais peur que ça prenne trop de temps et que j'ai même pas le temps de recommencer un tour. Donc là, je me suis dit, c'est plus rapide. C'est plus rapide que j'ai au stand. En plus, si moi, je suis déjà au troisième secteur, donc c'est pas super loin non plus. Regardez comme c'est dur. Vous allez faire, vous faites un petit peu virage à gauche et boum, ça part en tête à queue. Et donc là, malheureusement, je ne vais pas réussir à rejoindre mon stand puisque vous voyez, je pète mon pneu arrière gauche et mon moteur tout simplement explose. Et voilà. Donc, pour ce Grand Prix de Saint-Marin, je vais partir à une magnifique, à une exceptionnelle 16e place. J'espère que cette qualification vous aura plu. Je vous ai dit que Saint-Marin, c'est un circuit très technique où j'ai même pas réussi à faire un temps sur cette Q2 quand même. Je vous ai dit, ce Grand Prix de Saint-Marin s'annonce très technique où il y a beaucoup de pièges. Vous voyez que Fisichella signe la pole devant mon coéquipier Schumacher et Barrichello. Donc c'est un Grand Prix qui s'annonce très technique, très dur pour tout le monde. Et je vous garantis qu'il y aura plein de surprises pour la course. C'était ZombieQ38, on se retrouve pour la course et une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.